shit all we do is talk and never listen to the fiction. Clear as water, that is all a masquerade. Salut à tous, le début des matchs retour dans ce groupe UEFA Champions League. Et Pierre Ménès est bien sûr fidèle au rendez-vous pour commenter ce match. Ouais, c'est un match important où il y a des points à prendre pour les deux équipes. C'est un peu le cas de tous les matchs, on va dire. C'est pas faux. On devrait assister à une opposition de style hein, vraiment entre le Barça et l'Inter. Ouais, qui nous rappelle une finale, enfin une demi-finale de Champions League en 2010 avec une qualification de l'Inter. Au terme d'un match retour. C'est le fameux match où Eto'o avait fini défenseur, c'est ça? Oui, où on avait refusé un pénalty à Barcelone alors que Ibrahimovic avait son maillot ouvert en deux. C'était des terres de Mourinho. Ouais, comme par hasard. Qui s'est engagé il y a quelques semaines avec le début de cette phase de groupe. On en est à la quatrième journée. La route est bien sûr très longue jusqu'à la finale, mais là on commence à rentrer dans le money time de la phase de groupe. Hein. Ouais, sauf pour les clubs qui sont déjà qualifiés et qui ont encore trois matchs barbecue à jouer. Voici le 11 de départ de l'Inter. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Pierre, sans surprise, on va retrouver Barcelone dans son système de jeu de prédilection. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans ce jeu barcelonais? Qu'est-ce qui m'impressionnait surtout, c'était le milieu Busquets-Xavi-Iniesta. Busquets est moins bon, Iniesta est vieillissant, Xavi est parti. Aujourd'hui, le Barça repose beaucoup plus sur la puissance de son attaque et on s'aperçoit qu'au niveau européen, ça passe plus. Le coup d'envoi de ce match du UEFA Champions League qui vient d'être donné. Le quatrième pour ces deux équipes, ça joue là. À Samoa. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ballon intercepté par Miranda. Suarez. Allez, l'occasion de passer devant. Ça sort en corner pour le Barça. Dernier mot sera la défense sur ce corner. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Léo Messi qui frappe. Attention, attention à Léo Messi. Le gardien qui sort. Ouais, le drapeau qui s'est levé. Il est dommage parce qu'il était seul. Intervention du gardien qui évite un but en début de match. Bien joué. Messi. Allez, il faut le mettre celui-là. Et c'est dedans. Et le but qui donne l'avantage à l'équipe. Un premier pas vers la victoire, mais c'est pas joué encore, attention. On revoit cette tête superbe, Pierre. Timing parfait, Hervé, le centre était très bon. Bien ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Le Barça qui mène au score dans ce match. Ivan Perisic. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Et le dernier mot pour le gardien.
Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Bon, attention. Oui, attention. Oh oui, le but. Un autre but quasiment coup sur coup. On le voit sur ce ralenti, la combinaison qui amène ce but. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais le joueur a bien suivi l'action. C'est un but plein d'opportunisme. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Un ballon a touché le défenseur en dernier, ce sera donc un corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Gardien qui capte le ballon sans difficulté, corner pas très bien tiré. Passe d'Ousmane Dembélé, mais c'est récupéré par l'adversaire. Messi. Lionel Messi qui appartient déjà à l'histoire du jeu. Hein. Le premier joueur de l'histoire à avoir remporté 5 ballons d'or, hein, quand même. Capable de faire la différence à tout moment et surtout à tous les matchs. C'est un génie. Naïgolan qui donne ce bon ballon en profondeur. La frappe. Oh, le but signé Mauro Icardi. On revoit ce but au ralenti. Un capitaine qui a pris ses responsabilités. Et 2-1 donc maintenant. Coutinho, Sergio Busquets, Ousmane Dembélé, Nainggolan. Carrasco, Sergio Busquets, Coutinho, Samuel Umtiti, Miranda, Milan Skriniar. Avec Asamoah. Ouais, lumineuse cette passe. Ah, dommage, c'était une belle opportunité, mais le drapeau s'est levé. Oui, le bon ballon là de Luis Suarez. Oh, la grosse faute alors qu'il partait au but. Attention, anéantissement d'une action de but, ça sent l'exclusion. La faute me semble évidente hein, sur ce tacle. Allez, mauvais tacle, hein. Il est en retard, il commet la faute. Rouge, un carton rouge. Messi. Ouh, il a failli trouver le cadre avec ce coup franc lointain. Ah, il devait se sentir en confiance pour tenter ça. Pas grand monde pour gêner l'Inter hein, sur les côtés. Il y a du monde pour reprendre. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Ivan Rakitic. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Sergio Roberto. La frappe de Léo Messi. Contrée. Corner pour le Barça. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Est-ce qu'il va centrer? Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Ouais, le centre, mais contré par le défenseur. Récupération de Jordi Alba. Les Blaugrana qui ont le ballon. Un redoublement de passe, c'est bien joué. Voilà, c'est chaud avec Messi. Oh, la barre, attention, c'est pas fini. Le gardien, c'est pas fini. Et si c'était rentré, on leur a acheté un autre match, mais là, ça reste ouvert. Le centre vers ses coéquipiers. Et Piqué qui dégage ce ballon. Coutinho.
Et Suarez. Ivan Rakitic. Coutinho. Et la touche. Ivan Perisic. Golan. Il choisit de repiquer au centre. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là. Allez, il peut faire un truc intéressant. Là, il y a du soutien. Il repique au centre. Matteo Politano. Il avait tenté de retourner, mais il a trouvé le gardien sur son chemin. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. On va jouer 3 minutes de plus. Jordi Alba. Dembélé. Ah, la passe en profondeur, attention. Luis Suarez. Le centre tendu. Ah, la bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Ousmane Dembélé. Rakitic. Busquets. Rakitic. Au ballon de but pour Coutinho. La première période se termine, Pierre, dans une drôle d'ambiance ici. Parce... La seconde période qui démarre, le FC Barcelone qui met le score pour l'instant. Coutinho. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Sergio, la frappe. Arrêt du gardien. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Oh oui, ça rentre. Ah, tu vois, Hervé, les joueurs ont bien fait de s'accrocher. Ils reviennent à égalité avec leur adversaire après avoir été menés par 2 buts d'écart. Et en plus, maintenant, l'écart psychologique est clairement pour eux. Les joueurs qui viennent de réaliser quand même une forme d'exploit. Hein. Ils égalisent alors que tout le monde les voyait sombrer dans ce match. Rappelons qu'ils sont en infériorité numérique. Ils reviennent à égalité de partout. Ivan Rakitic. Encore un bon ballon. Milan Skriniar. Mathias Vecina. Keita Baldi. Golan. Luis Suarez. La passe d'Ousmane Dembélé, mais c'est récupéré par l'adversaire. Mathias Vecina. Ousmane Dembélé. Oh oui, encore une bonne passe. Coutinho. Luis Suarez, attention, il y a pas mal de monde autour de lui. Milan Skriniar. Vasco.
Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. La contre-attaque qui se développe petit à petit. Mauro Icardi. Bon, attention, c'est pas fini. Il faut qu'il centre là. N'Golan. La patte est propre, le ballon toujours en jeu. On va peut-être assister. Oui, le bon ballon là de Luis Suarez. Ah oui, c'est le jeu. Oui, la frappe. Le joueur qui a fini marqué malgré sa blessure. Ah, c'est sûr, c'est raté de peu, mais je crois que c'est quand même mieux s'il sort. Hein. Bien buté sur le gardien qui était bien resté vigilant. Ousmane Dembélé. Ah, la passe en profondeur, attention. Ah, la bonne interception et le danger qui va donc s'éloigner. Mauro Icardi. Ah, ils ont beaucoup à jouer là, attention. N'Golan. Et le ballon bloqué par le gardien. N'Golan. Keita Baldé. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de maîtrise technique. Ah, Diane N'Golan. Il y va tout seul. Oh, l'arrêt. Oh, quel plongeon superbe. Le ballon qui sort en corner pour l'Inter. Le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine. On voit bien sur les images que le tireur essaie de mettre de la puissance, mais ça ne suffit pas. Le corner, le ballon. Mauro Icardi. Oh oui, but. On vient d'avoir une preuve de plus hein, de l'évident danger que constituent les coups de pied arrêtés. Un corner exactement joué comme il le faut. À voir s'il n'y a pas une erreur de marquage quand même à un moment donné. FC Barcelone qui voit son adversaire prendre l'avantage. Rafinha. Samuel Titi. Messi. Léo Messi qui nous régale hein, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. On va faire court Hervé. Hein. C'est le meilleur joueur du monde. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Essayez d'en lancer vite. Un duel pour la récupération du ballon. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ousmane Dembélé. Oh, le bel arrêt. Ouais, excellent. Très, très bon arrêt là du gardien à bout portant. Ouais, il fait. Peut-être l'égalisation. Messi. Allez, l'occasion, pourquoi pas, d'égaliser sur ce corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Le dégagement pour éloigner le danger. Jordi Alba. Léo Messi. Messi. On fait tourner en essayant de faire sortir. Il choisit la frappe. Ouais. Ah, j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. Il s'est récupéré. Arturo Vidal. Luis Suarez. Malcolm. Oh, la défense. C'est un bon ballon là pour Luis Suarez. Il y a danger. Ah, le drapeau qui s'est levé. Il finit au but. Le but peut-être de la victoire, mais il n'a pas l'air content. Mais oui, il y avait en jeu. Mathias Vecina. Milan Skriniar. Encore 6 minutes à jouer avant cette rencontre. Oh, la belle passe de Luis Suarez. Magnifique. Messi. Messi qui soigne son centre. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Allez, il lève la tête pour le centre. Le second poteau, Lionel Messi. Et le but. Oh, il vient d'arracher le nul. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Superbe coup franc du Barça. Le centre qui vient de la gauche, déposé au millimètre. Ah, c'est une véritable offre, on n'allait plus qu'à conclure. Avec quelle classe de la part de Messi. Il a tenté sa chance et sa frappe est ajustée au millimètre.
comme souvent. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. 3 minutes à jouer dans cette partie, sans compter le temps additionnel. Mathias Vecino. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Oh, Icardi. Oh, le but. Ah, c'est son troisième aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Et plus rien ne l'arrête, hein. C'est déjà son troisième but aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où tout marche presque. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. C'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein. Allez, 3 minutes, hein, de temps additionnel indiqué. Ils vont essayer d'égaliser sur ce ballon, certainement l'un des derniers de ce match. Une balle d'égalisation. Ah, ça passe tout tout près, hein, j'ai l'impression. Bah, tout était parfait, à part le dernier geste. Embêtant. Oh, il est passé, il est passé, il y a danger. Messi. Et le but. Eh oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré. Ah, le buteur, il peut remercier le poteau. Ah, son ballon vient heurter le montant, mais enfin, ça relève rien à la qualité de sa frappe. Hein. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. La fin du match, Pierre, et vous l'entendez comme moi, le scénario n'a pas plu au public. Non, puis c'est normal, il reste persuadé que l'arbitre a été trop sévère en expulsion l'un des siens. Messi. Allez, il faut le mettre celui-là. Et c'est dedans. Et le but qui donne l'avantage à l'équipe. C'est un premier pas vers la victoire, mais c'est pas joué encore. Attention. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Bon, attention. C'est... Oui, attention. Oh oui, le but. Un autre but quasiment coup sur coup. Nainggolan qui donne ce bon ballon en profondeur. La frappe. Oh, le but signé Mauro Icardi. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Oh, il est passé, il est passé, il y a danger. Messi. Et le but. Eh oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré.